On va se parler donc de ces problèmes dans le métro de Montréal qui est en grande partie paralysé. Les lignes vertes, jaunes et oranges le sont. On a un de nos collègues du web qui est dans cette situation, qui subit cette situation à la station Lionel Groulx, Maxime M. Landry. Bonjour Maxime. Bonjour Mathieu. Peut-être nous expliquer ce qui se passe, oui? Oui, c'est ça. En fait, il y a à peu près 15 minutes, il y a un message qui a retenti dans les intercoms de la station pour dire que le service est interrompu sur trois lignes de métro, donc entre Lionel-Groulx et Henri Bourassa sur la ligne orange, entre Lionel-Groulx et Guillot sur la ligne verte et sur la ligne jaune au complet. Et par la suite, on annonce qu'il y a plusieurs stations de ces lignes-là qui doivent être évacuées complètement. On mentionne que c'est un dégagement de fumée, mais on n'a pas plus d'informations en ce moment. Il n'y a pas d'agent de la STM qui redirige la clientèle. Donc, les clients sont un peu dans l'inconnu pour le moment. Ça ressemble à quoi autour de vous, généralement? On voit des gens sortir en masse des stations et là, tout le monde essaie d'appeler un taxi, de monter dans l'autobus. Est-ce qu'il y a des mesures pour pallier la situation? Exact. Bien, pour le moment, je ne vois pas d'autobus. Et comme c'est la première station où le service arrête, bien, on voit qu'il y a de nombreux trains qui arrêtent en station pour laisser sortir les voyageurs. Et en fait, ça sort en grande quantité à l'extérieur, ça sort en masse. Et je dirais que pour le moment, il n'y a pas vraiment d'instruction à savoir s'il y a un service de navette par autobus ou qu'il y a une partie. Bon, ben bonne chance dans tout ça pour vous dépêtrer. Maxime, merci pour ce compte-rendu.